Hey, salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode hein, de Pauvre Player. Premier épisode qui sera sur VVV, démo parce que ça me fait marrer de tester des démos, parce que personne ne le fait. Et puis des démos parce que ça me coûte rien aussi. Donc VVV, auquel je n'ai jamais joué et oula, c'est un peu fort, je vais baisser le son. Auquel je n'ai jamais joué et qui m'avait intéressé dans le concept. Donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais passer en full screen parce que ce n'est pas possible de passer en full screen avant. Ça, je l'avais déjà vu, j'avais déjà vu le menu quand même. J'ai regardé le menu. Donc play the demo. Voilà. Donc merci d'essayer démo. La démo contient deux niveaux. Le jeu complet en contient 8. Je vais jouer à ce niveau. J'avais déjà lancé le niveau, etc. Mais là, il y a une grande musique et puis j'avais pas un casque, donc du coup je recommence. J'ai pas été plus loin que ça. Donc, ouho! Est-ce que tout va bien? Je fais les traductions comme ça. Si vous parlez pas anglais, ça vous aide. Je suis sympa quand même. Non, on subit un genre d'interférence. Ah la vache, ça se passe mal, on va se péter la gueule. Évacuer! Oh non! Tout le monde se casse du vaisseau. J'ai pas eu le temps de lire. Ah là là, c'était vraiment très effrayant, mais je souris déjà. Au moins, on s'est échappé. Pas vrai, les mecs? Les mecs? Oh! Les mecs? Bah, les mecs? Oh non, je suis tout seul. Ah la vache, c'est rigolo. Oui, effectivement, en fait, on se déplace avec les touches. Et dès qu'on appuie sur la touche action, là, donc espace, dans mon cas, mais apparemment il y a plusieurs touches, je crois que voilà, on peut appuyer sur V, forcément. On peut changer la gravité et se retrouver au plafond. Donc pour l'instant ça reste plutôt simple, j'ai l'impression. Je me demande pourquoi le vaisseau m'a téléporté et moi tout seul ici. J'espère que tout le monde s'en est sorti. Solitude. Ah, je vais aller sur ce C. Oula! C'est un peu effrayant ce truc là. Je sais pas quoi il sert le C. Merde. Oui, donc apparemment quand on appuie sur bas ça change aussi la gravité. Là il y a des trucs avec marqué stop. J'imagine que. Voilà. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Le jeu est nerveux, hein. Faut pas appuyer trop fort. Je vais passer là, ça me paraît plus simple. Putain. Faut vraiment pas appuyer trop longtemps sur les touches quoi. J'ai figé le truc. Press Enter to activate le terminal. Appuyez sur Entrée pour activer le terminal. Tout le monde a été évacué de la station spatiale. Le reste d'entre nous vont partir d'ici quelques jours, une fois que nos recherches seront terminées. D'accord? Comment on fait ça? Ça m'a l'air tendu quand même, comme j'ai. Ah, on fait ça. Et là, on peut activer un truc. Ah, c'est une carte, en fait, le C. C'est une carte. Oh la vache. C'est vachement rapide, quand même. En même temps, le personnage est rapide aussi, donc... Mais c'est tendu, quand même. D'accord, je m'y attendais pas du tout.
Est-ce que quelqu'un peut entendre ce message? Verdigris, est-ce que tu es là? S'il vous plaît, j'ai besoin d'assistance. Violet, c'est toi? Capitaine, tu vas bien? Quelque chose s'est vraiment très mal passé avec le téléporteur du vaisseau. Je pense que tout le monde a été téléporté de manière totalement aléatoire. Ils peuvent être n'importe où. Ah non! Ça, c'est pas de bol. Je suis sur le vaisseau. Il est vraiment en sale état, mais il est toujours intact. Ce qui est vraiment spécial, quand même. Où est-ce que tu es, capitaine? Je suis dans une espèce de station spatiale. Ça a l'air plutôt moderne. On dirait qu'il y a une sorte d'interférence dans cette dimension. Je suis en train de t'envoyer les coordonnées du vaisseau. Je ne peux pas te téléporter de retour sur le vaisseau, mais je peux trouver un téléporteur quelque part à côté qui devrait pouvoir te téléporter sur le vaisseau. Ok, je vais essayer d'en trouver un. Bonne chance, capitaine. Démerde-toi tout seul. Je vais essayer de chercher... Je vais continuer d'essayer de chercher le reste de l'équipage. Pfff. N'importe quoi, ce jeu. Mais comment tu fais ça? Non, mais sérieux. C'est trop rapide, ça. Merde. On a des vies limitées, j'espère. Enfin, apparemment. À moins que cette plateforme-là ne s'éclate pas. Ah, c'est marrant, ça. Je suis coincé sur un pixel. Voilà. Donc, pourquoi celle-là, elle se pète et l'autre, non? Aucune idée. Là, il est marqué yes. Cela dit, je peux pas y aller non plus, apparemment. C'est juste des bonhommes oui. Mais des bonhommes oui... En même temps, mais oui, hein, ça doit être ça. Alors... Oula. Faire gaffe parce que du coup, tu ne sautes pas, tu te balances de l'autre côté. J'ai pas mis de compteur, je sais même pas à combien j'en suis. Je sais que je suis plutôt lent. Donc... Oh, je me demande ce que c'est. Je n'ai pas vraiment besoin de cette chose, mais ça pourrait être sympa de l'apprendre pour l'étudier. Quel voleur. Moi, je suis trop fort et en même temps pas fort du tout. Comment tu fais? Mais j'avais appuyé. Ok, c'est super tendu. Ah putain! Faut vraiment avoir des réflexes de malade. Merde! Excusez-moi, je suis vulgaire. Ah putain! C'est pas la bonne technique, apparemment. C'est la bonne technique, mais pas le bon timing. Merde, ça marchait tout à l'heure. Merde. Putain. Ah non, mais là, carrément pas, là. Par contre, là, c'était pourri. Ok. Merde. Non, j'y étais presque. Sinon je m'en branle, hein, je le prends pas. Je peux ne pas le prendre? Parce qu'il y a un truc là. Je vais le prendre quand même dans le but. J'ai vraiment... Et critiquez pas trop mes réflexes, hein, parce que... Ce que vous savez pas, c'est qu'il est 4h du matin. Donc je suis un peu crevé.
Je devrais plutôt aller me coucher plutôt que d'enregistrer cette vidéo. Merde! En tout cas, je progresse. Je suis au deuxième palier là, je suis derrière le deuxième mec. En tout cas, la bande son est sympa. Oh merde! Je suis comme un malade. Non plus. Il y a moyen de. Non, il n'y a pas moyen de changer en plein truc. On est obligé d'attendre d'être. Voilà, c'est pas pratique. Ce serait plus simple, c'est sûr, si on pouvait changer un milieu. Il n'y a pas moyen de juste sauter. Non, apparemment, il n'y a pas moyen de juste sauter. Ah putain! Non! Alors il est 4h du matin. Je le répète, hein, j'ai téléchargé V, la démo de V, et j'ai téléchargé par contre un jeu complet gratuit, parce que je ne suis pas un vilain pirate. J'ai téléchargé Slenderman. Alors Slenderman, je vais pas y jouer à 4h du matin. Je ne suis pas aussi courageux que ça. Je suis même beaucoup moins courageux que ça, donc j'y jouerai demain dans la journée ou après-demain. Mais en tout cas, je vais pas y jouer là maintenant. Je sais absolument pas combien de temps d'enregistrement j'en suis. Je sais que YouTube coupe les vidéos. Au bout d'un moment. Peut-être que je peux regarder. Non. Non, il n'y a pas moyen. Si je fais ça. Ah merde, du coup ça fait un truc dans le jeu. Bon, la prochaine fois je me mettrai un compteur ou un deuxième écran. Parce que là c'est le bordel. Merde! Bon, hé. C'est lourd. Putain, c'est. Il se déplace vraiment trop rapidement, quoi. J'ai pas. Merde! Putain, bloqué sur un truc à la con en plus. Ok, donc là il a pas l'air de. Ah, mais non! Y a pas moyen de le déplacer plus lentement parce que là. Je sais que c'est censé être un jeu nerveux où on court dans tous les sens, mais. Mais j'aime pas courir. Ça fait mal. C'est pas possible ce truc. C'est quoi? C'est le mouvement qui me fait aller comme ça aussi vite? Ah là je suis bon là. Si je me loupe. Putain! C'est pas possible. J'en peux plus. Que je me plante là. Non. Mais j'avais réussi. Merde. Faut vraiment que j'avance par à-coup en fait. Le problème c'est que c'est pas un jeu où tu peux avancer par à-coup. T'as vu la vitesse de la plateforme quoi. Je suis désolé, là c'est buggé, la plateforme elle était en travers de moi. Puis des fois l'autre il me touche, des fois l'autre il me touche pas, donc c'est la faute du jeu. Merde! On voit que je progresse, cela dit, hein? On peut pas me l'enlever ça. Mingue! Il est pas gentil avec moi le jeu quoi, il est 4h du mat. Je veux qu'on fasse des jeux qui s'adaptent, la difficulté s'adapte selon l'heure qu'il est et l'état de fatigue de la personne. Merde. C'est des erreurs cons en plus.
Puis en plus, il n'y a pas de quick save ou des trucs comme ça, donc... Mais c'est trop rapide pour moi. J'ai le cerf-volant, moi, à cette heure-ci. Putain. J'y croyais plus, hein. Faut que je ressorte, là. Bah on va y aller au suicide, hein. Voilà, c'est très bien comme ça. Oui, j'ai toujours le truc. Comment on fait? Je peux pas faire ça comme ça. Comment je fais pour sauter? Parce que ça descend pas aussi bas. Je fais comment? Mais non, c'est pas possible. Ah, oh putain! C'est bon ça. C'est bon mais vachement chelou quand même. Putain, faut le savoir. En même temps, c'est logique, mais faut quand même y penser. Et là, j'ai failli mourir. Putain, génial. Ah, on peut quick save. Eh ben, je vais quick save. Ah bah non, qu'il y a notre save dans la démo. Ah bah c'est dommage. Donc je vais pas quick save. Et je vais tenter de finir ça rapidement. Ouh. Chaud lui quand même. Espèce d'enfoiré. Ah trop tôt. Allez je trace le jeu. Non. Allez, je trace pas le jeu. Ça marche pas. Merde! Voilà. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais couper là maintenant, hein, et je vais faire une autre vidéo, parce que sinon celle-ci va être trop longue. Ça va faire chier tout le monde. Hein, moi, YouTube, vous. Donc on va s'arrêter là. Et je vais sûrement mettre un truc suivant dans un coin de la vidéo où vous pourrez voir la suite si vous avez les annotations d'affichés, etc. Je ferai une playlist. Enfin, je me démerderai. Et vous vous démerderez aussi, vous êtes grand. À la prochaine. Je coupe l'enregistrement, attention, je suis un ouf.